Je suis très heureuse de vous rencontrer ce soir. Je suis la maman Abikuska, la mémé que tout le monde connaît ici. Je suis vieille, certes, mais j'ai des souvenirs dans la tête. Je vous prie de bien vouloir m'écouter attentivement. Car ce soir, la mémé que je suis, je vais vous raconter une histoire. Je vous dis bien une très belle histoire. Ma petite sœur, Noël aime la tique. C'est l'histoire d'un jeune petit garçon. Donc prêtez attention à mes dires. Réfléchissez. Prenez la position qui vous sied. Car tout à l'heure, je vais vous raconter petite histoire sur le jeune garde-l'eau. Vous savez, la sagesse est un élément très primordial pour les enfants, un élément très bon pour les enfants. Je vais vous raconter maintenant mon histoire. Vous êtes prêts à écouter mon histoire? Oui, mais... Gabilo était un enfant très sage. Je vous assure, très très sage. Il vivait avec ses parents dans leur grande maison. Une maison très belle. Tout était là. Suivez bien mes enfants. La maman de Gabilo dit à Gabilo: mon enfant, mets tes chaussettes, mets tes chaussures. Et va vite filer un pullover. Car attention aux méchants rhumes. Les jours passaient. Encore et encore. Un beau matin, Gabilo s'approche au fur et à mesure de la fenêtre. Il découvre que dehors, il y avait de la fumée. Maman, maman, s'il te plaît, viens voir. Maman, maman, dépêche-toi, viens voir, il y a de la fumée dehors. Oui, de la fumée dehors. Alors, sa maman, toute inquiète, elle court. Elle court. Elle vient vers son fils. Elle regarde par la fenêtre. Et elle découvre. À la place de la fumée, c'était du brouillard. Oui, la brume matinale. Vous savez ce que c'est que le brouillard? Vous ne savez pas? Tu sais, mon bébé, on sait tout bien. Le brouillard, c'est de la fumée grise. Qui dit mieux, c'est le brouillard? La matin. La matin. Ok. Elle a trouvé. C'est la matin. La matin vient avec le brouillard. Et nous étions dans le mois de décembre. Le mois de décembre vous rappelle quelque chose? Le mois de décembre, c'est Noël. Ça te rappelle la fête de Noël? C'est très bien, mon bébé. Ok. La fête de décembre rappelle quelque chose à Gabilo. Il réfléchit, encore réfléchit. Il sait que c'est dans le mois de décembre que le Père Noël visite les enfants dans chaque maison. Et là, le jeune garçon prépare un coup dans sa tête. Il se demande, mais qu'est-ce qu'il va bien voir de notre Père Noël? Il
tremblait au Père Noël. Il réfléchit et encore réfléchit. Les jours passaient au fur et à mesure. Enfin, voilà arrivé le jour J. Le père de Gabello ainsi que toute la famille décorent la maison. Ils collent le sapin. Et la maman, ayant vu cela, va approcher Gabello pour se tranquillement. Va approcher Gabello. Gabello fait semblant de dormir. La maman retourne dans son lit. Quelques minutes, Gabello descend du lit. Il prend sa lettre et va se coucher sur la porte. Au fur et à mesure, les heures passaient. Gabello retourne dans la chambre. Il prend le cadeau du Père Noël. Il vient, il glisse au pied du sapin. Et il va se coucher. Au fur et à mesure que les heures passaient, à minuit, enfin, voilà arrivé le Père Noël. Il vient, il regarde sur la porte de Gabello. Il découvre une lettre. Ah, voilà une lettre pour moi, dit le Père Noël, qui a bien pensé à moi. Ah, il prend la lettre, il rentre dans la maison. Oh là là. Le Père Noël prend le cadeau de Gabello. En lisant la lettre, il découvre que l'enfant lui avait donné de la tiquée et du poisson. Tellement émerveillé, le Père Noël laisse tomber une goutte de larmes sur sa porte qui se transforme en jeu électronique. Et le Père Noël continue sa lecture. Il prend une gorgée, ensuite un second et un troisième. Je vous assure que Gabello, étant sage, a obtenu 4 cadeaux, je vous assure. 4 cadeaux. Tout simplement parce qu'il a été sage. Est-ce que la sagesse est une bonne chose, mes enfants? Oui. Est-ce que le Père Noël a-t-il apprécié le cadeau de Gabello? Oui, mémé. Est-ce qu'il a aimé la tiquée? Oui, mémé. Qui a déjà mangé du guava ici? Waouh, c'est comment? C'était doux. Guava est composé de quoi? Elle est composée du thon, de la tiquée, de l'oignon, du piment et de la tomate. Un bon poêle. Merci ma puce. Je vous aime. Au revoir mes enfants. Au revoir bébé. Je m'appelle Tia Grace Eunice. J'ai retenu dans l'histoire que la sagesse apporte beaucoup de choses. Je m'appelle Anno Julie Lanneman. J'ai retenu que il y avait du brouillard où Gabello habitait. Je m'appelle Fanny Jamila. J'ai retenu que la mère de Gabello a dit à Gabello d'aller mettre son pullover et ses chaussures, ensuite sa chaussette. Je m'appelle Fion Grace Divine Afiba. J'ai retenu que Gabello était un enfant très sage et il avait écrit une lettre au Père Noël. Le Père Noël était très heureux. Il a laissé une lame couler et cette lame s'est transformée en jeu électrique. Ensuite, Gabello a laissé de la checker pour le Père Noël. Le Père Noël goûta et c'était très délicieux. Il laissa 4 cadeaux pour Gabello et le reste de la checker. Il le prena pour aller dans les autres pays.